Bonsoir, très heureuse de vous retrouver ensemble. On va revivre quelques-uns des moments les plus forts de cet à notamment lorsque nos invités ont dénoncé la multiplication des actes antisémites en France après les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Patrick Bruel, Yvan Attal, Bruno Solo, Barbara Hendrix ou encore Delphine Orviller ont pris la parole. Bonsoir Delphine Arviller. Bonsoir. merci de votre présence ce soir et que vous publiez aujourd'hui un traité de survie intime. Dix conversations réelles ou imaginaires pour tenter de faire face au traumatisme du 7 octobre, un massacre qui vous a impacté dans votre chair, dans votre office, dans votre quotidien euh, et où l'écriture est devenue pour vous un moyen de trouver le chemin de la résilience. Mais difficile de calmer la douleur et la colère quand l'inquiétude et l'angoisse sont quotidiennes pour les familles d'otages toujours retenues à Gaza les images des cheveux roux de cet enfant dépassant du tissu déchirent le cœur Oui, cet enfant, il, comme beaucoup d'autres personnes, il m'obsède aujourd'hui. Je pense très souvent à, à son visage, celui de, de son frère, de ses parents. Il est devenu le visage effectivement de cette innocence euh, des victimes, de ces otages, de cette douleur euh, que certains voudraient ne voir que d'un côté ou de l'autre. Euh, son visage devrait, je trouve, euh, pétrifié de de honte, ceux qui s'imaginent qu'il y a d'un côté des forts et de l'autre des faibles, d'un de côté des victimes et de l'autre des bourreaux. Toutes ces lectures extrêmement simplificatrices de ce conflit tellement complexe, je trouve, sont rappelées par ce visage qui rappelle notre enfant. J'ai l'impression que c'est notre bébé. Ce n'est pas un bébé israélien, un bébé juif, c'est un bébé humain qui vient raconter la douleur de cette humanité ébranlée qui est la nôtre depuis des semaines et des semaines. Il a passé un tiers de sa vie en captivité, cet enfant. Difficile dans ces conditions, et depuis le 7 octobre, de répondre à cette question euh, rituelle, euh, presque anodine, comment ça va Ça a inspiré le titre de votre livre. Une question de politesse à laquelle vous évitez soigneusement de répondre, vous qui avez pourtant fait en sorte que la confiance et l'optimisme l'emportent toujours. Mais ça vous est devenu impossible de répondre à cette question. Oui, je ne voyais pas d'autres titres pour ce livre parce que j'avais le sentiment que depuis des semaines, rien n'allait et que finalement, ce livre, je l'ai écrit sans penser au départ que ce serait un livre. Je l'ai écrit effectivement, comme vous l'avez dit, comme une tentative de survie, comme une bouée, au moment où j'avais le sentiment que tout s'effondrait, qu'il n'y avait plus de sol sous mes pieds j'ai découvert par exemple l'insomnie, je vais peut-être des insomniaques parmi vous, moi je ne connaissais pas ce phénomène, je ne dormais plus, je ne vivais plus et en fait l'écriture m'a un peu euh, sauvé, essayé de comprendre tout ce qui se dérobait et de quelle manière surtout euh, ce qui se passait pour moi réveillait des fantômes du passé, de quelle manière ça ressurgissait. L'actualité elle pourrait vous inspirer un film Ivan Attal. Ouais, je vous vais... l'aviez déjà fait. On se souvient de ils sont partout un film gonflé culotté. Ah, vous sur... parlez de ça. Ouais. Non, je me demandais si j'allais pas faire une série sur euh, la pétition. Je serais l'histoire d'un acteur qui signe une pétition. Ah tiens, Pour bon, soutenir un voilà. autre acteur. Et puis, à chaque fois, on lui, on lui repose des questions sur la pétition. c'est une série. C'est une série sans fin. Il y a la saison 1, <laughs> la saison 2, la saison 3. Je m'attendais à ça, pardon. Donc, à je une préfère... question sur la pétition que vous avez signée je en faveur préfère... de Gérard Depardon. Voilà, mais je préfère qu'on revienne à Ils sont partout. Pardon, mmh. je vous ai interrompu. Ils sont partout, c'était l'antisémitisme. Oui, voilà. C'est un film culotté. Oui, qui a quoi une petite dizaine d'années. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, on est, euh, je ne sais pas, euh, bien, 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 bien au-delà. Ça s'est aggravé. C'est une orgie d'antisémitisme. On s'en donne à cœur joie, tout le monde Et se bat. Que vous subissez-vous Que je subis, moi, bien sûr. Que tout le monde subit. Euh, même les non-juifs, ça doit être épuisant pour eux d'entendre parler que de ça toute la journée. Euh, non, non, évidemment que ça devient, euh, ça devient très, très, très pénible, inquiétant. Enfin, je ne sais pas, mais en même temps... Je me doutais bien que c'était là. J'en ai fait un film il y a dix ans. Moi, ça me fait rigoler quand on un dit. Film à à oui, un film à sketch. Oui, c'était un film sketch. J'avais envie d'en rire. Euh, effectivement, si, si... enfin, peut-être que. Non, mais j'y reviendrai pas parce que c'est trop compliqué. Et puis, trop compliqué même pour vous d'aborder ce sujet-là. Mais à l'époque, ça l'était déjà. À l'époque, on avait d'ailleurs le film n'est passé sur aucune chaîne de télé. Euh, heureusement que Netflix l'a acheté. Ça nous a sauvé la vie. Enfin, ça a sauvé la vie du producteur. Euh, parce que, euh, à part Canal, il n'y a pas une chaîne qui voulait parler de ça. C'est un sujet trop, trop compliqué. Euh... Parce qu'il suscite trop d'antagonisme. Euh... Je ne sais pas, pourtant, l'antisémitisme, c'est une chose qui devrait quand même. Euh, la, de lutter contre l'antisémitisme. Ça devrait réunir ça, tout le ça, monde. Ça devrait réunir tout le monde. Mais quand même le président de la République ne veut pas y assister, je ne vais pas, le, pas, pas le, le, le citer, mais il dit parce que ça pourrait heurter d'autres communautés. Pfiouh, ça veut dire quoi euh, Non, ça devient très, très, très fort, quand même. Mais j'ai l'impression qu'en France, euh, même si c'est très, très grave, euh, on, on, est, on est un peu mieux qu'ailleurs qu en Europe. Euh, quand je vois l'Angleterre, où, où vraiment euh, j'ai vu des images ultra, ultra, ultra violentes de manifestations. De, de manifestations, de gens qui, qui, qui chassent du juif dans la rue en disant on veut du sang juif, quoi. Voilà. Euh, bah, l'image du Hamas là-bas. D'ailleurs, on dit toujours qu'on importe le conflit euh, en, France. En, en France, on n'importe rien du tout. C'est le même conflit ici et là-bas. C'est l'antisémitisme. Voilà. La peur s'est réveillée, la peur d'être juif. Et ça, ça vous a rendu paranoïaque. Oui, j'ai l'impression de sa manière que ce n'est pas à nouveau. On écrit sur la question de l'antisémitisme depuis des années et on en parle. Moi, j'ai écrit d'autres livres avant ça sur cette question et je suis loin d'être la première à m'intéresser à ce sujet presque éternel et lancinant. Mais il y a quelque chose qui, effectivement, après le 7 octobre, a résonné presque charnellement pour beaucoup de gens. Autour de moi. Où tout à coup, euh, c'est passé par des conversations auxquelles euh, on ne s'attendait pas, des conversations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos démons, avec nos fantômes. Parfois, pour certains d'entre nous, avec la police qui nous rend visite, avec euh, des menaces très concrètes pour un quotidien. Qu'on n'imaginerait pas vivre ici en 2023 ou 2024. Euh, et effectivement, c'est presque de l'indicible. Les, voilà, les gens ne s'imaginent pas ce que ça a pu euh, ressusciter. Je pense que certaines personnes s'imaginent que cette peur-là, chez beaucoup de juifs en France, est une forme de paranoïa, dans le sens où peut-être on l'aperçoit comme exagérée, euh, nos vies sont normales. Et en même temps, il y a cette angoisse sourde dans bien des familles qu'on va repérer parfois dans la démarche des gens dans la rue, la façon dont ils ont changé leurs habitudes leurs habitudes de vie leurs routines les routine. vôtres également Delphine Horvilleur vous oui. avez demandé à votre fils par exemple de retirer l'étoile de, la... de David qu'il porte au cou euh, ah. on vous a suggéré de retirer votre nom sur la boîte aux lettres d'utiliser des pseudos pour réserver un taxi une table au restaurant il y a un effacement <coughs> au oui. J'ai l'impression d'avoir changé, effectivement. Alors, je, je le raconte avec humour dans mmh. le livre. Avec mes enfants, on a développé un jeu, on a inventé des pseudos autour de la table du dîner pour savoir sous quel nom, dorénavant, on commanderait, effectivement, un, un taxi ou ou de la nourriture à la maison, mais, mais moi je l'entends de plein de gens autour de moi, particulièrement dans mon métier de rabbin. Plein de gens sont venus me voir dans mon bureau pour me demander quel, quel discours ils devaient changer vis-à-vis -vis de leur famille, des gens qui travaillent avec eux, de leurs enfants. Euh, tout ça c'est fou. Quand on y pense, mm. en fait, c'est euh, en vous en parlant, c'est même, je me rends compte de la folie d'en témoigner, même. C'est très, c'est très étrange. Et j'ai aussi un espèce de double regard. Je, je suis convaincue qu'il y a des gens souvent qui, qui nous regardent et qui considèrent que c'est exagéré, ou alors qui se disent, euh, oh, tout le monde souffre. Enfin, quelque chose de. C'est très compliqué d'en parler parce qu'on a peur d'exposer une forme de d'indécence. Euh, bien entendu, que plein de gens. Euh, ont des vies compliquées et souffrent. Et mais, mais il y a quelque chose aujourd'hui, depuis des semaines et des semaines, dans ce que vivent beaucoup de juifs français qui est extrêmement perturbant. Pendant la tournée 2019, vous aviez pris une habitude, celle d'entonner avec tout votre public la Marseillaise. C'était à un moment précis du concert. C'était juste après la chanson Ce soir on sort que vous aviez écrite après les attentats de 2015, pour exhorter à se rassembler. La Marseillaise, on l'a entendue à plusieurs reprises dimanche dernier dans les rues de Paris et d'autres villes de France, entonnée spontanément par tous ceux qui se sont rassemblés, qui ont marché contre l'antisémitisme. Ce sursaut, il vous a bouleversé, mais vous avez aussi dit dans un post sur les réseaux sociaux, parce que vous étiez aux États-Unis à ce moment-là, que vous l'aviez attendue un peu trop longtemps. Euh, oui, on l'avait attendu euh... Longtemps, parce qu'il y a eu de nombreux actes antisémites où le silence était assez assourdissant. Euh, au moment d'Ozara par exemple, à Toulouse. À Toulouse au moment, moment d'Ilan Limi au moment de Sarah Alimi, au moment de My Myriel Knoll, au moment de, du Musée juif de Bruxelles. Euh, il faut remonter à assez longtemps, il faut remonter à la manifestation du 14 mai 1990, euh, au moment de la profanation des tombes de Carpentras, où je me trouvais. Euh, où un journaliste m'avait tendu son micro à l'époque en disant Est-ce que vous vous sentez menacé en tant que juif J'ai dit Non, je me sens menacé en tant que citoyen parce que la République est menacée. Et je lui dit Pas vous Pas vous Pas vous Oui. Euh, cette manifestation, euh, qui était spectaculaire, à laquelle François Mitterrand s'était rendu également. Et vous qui, depuis toujours, dans vos engagements de maire, de rabbin, avez prôné le, le dialogue interreligieux, tout s'est un peu brouillé oui, parce qu'il y a eu un moment de sidération euh, juste après le 7 octobre. Euh, il m'est arrivé d'attendre des paroles qui n'arrivaient pas, ou alors euh, d'entendre des mots qui étaient euh, immédiatement mitigés par des mais, m i Certes, c'est horrible ce qui s'est passé, mais il y a des souffrances. Mais en fait, ces mais ont fait beaucoup de... De mal. Ils ont parasité énormément les, les conversations, mais il m'a fallu un temps pour relancer avec mes interlocuteurs habituels. Et c'est vrai que depuis des années, moi, je suis très engagée dans ce dialogue interculturel, la question de la création des ponts, le dialogue judéo-arabe. Quelque chose a été dévasté, piétiné après le 7 octobre. Et c'est très compliqué de le reconstruire hein, pas à pas dans, dans la confiance. Et pourtant, c'est nécessaire, hein, essentiel. Et on sait tous que c'est ce qu'il faudra faire. En fait, on n'aura pas le choix. Et il le faudra pour notre propre humanité, pour euh, la préserver. C'était un vrai souci. J'ai eu cette conversation avec beaucoup de mes amis ces dernières semaines. Comment on fait pour s'assurer que notre humanité est préservée Comment on fait pour ne pas laisser la haine, la rancune, la rancœur ou la peur nous submerger Je voulais juste dire quelque chose euh, que j'aimerais laisser, qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'admirais. Qui avait dit, j'espère que je vais, je vais me souvenir de tout, euh, euh, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun ce soir, et une attention permanente portée à l'autre, qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun cela s'appelle la fraternité cela s'appelle l'humanité c'est ici mon veille Une commission d'enquête sénatoriale vient de présenter un rapport sur les menaces et agressions subies par les enseignants qui tentent de faire respecter la laïcité dans leurs établissements avec une série de recommandations, mais d'abord un cri d'alarme. Oui, une alerte sérieuse lancée 20 ans tout juste après le vote de la loi interdisant à l'école les signes religieux ostensibles, loi votée le 15 mars 2004, trois ans et demi. Après l'assassinat de Samuel Paty, c'est d'ailleurs l'une de ses sœurs, euh, Mickaël Paty, qui s'adressant au Sénat l'an dernier, avait demandé la création de cette commission. Cinq mois après l'assassinat d'un autre enseignant, Dominique Bernard, et une semaine après les menaces de mort reçues par le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, qui avait rappelé à trois élèves l'obligation de retirer leur voile dans l'enceinte du lycée. Après des mois d'audition, les deux sénateurs auteurs du rapport ont présenté leurs travaux avec, ont-ils dit euh, hier, une certaine gravité. C'est un, une mission et un rapport que nous avons commis ensemble et qui nous a quand même beaucoup touchés euh, sur la situation et en même temps qu'il nous touchait beaucoup inquiétés. Nous avons clairement dit dans notre rapport que l'école était en danger et qu'il ne fallait sous, surtout pas sous-estimer, minimiser la situation actuelle. Ne pas minimiser le phénomène des agressions, menaces ou pressions qui n'ont pas lieu seulement dans les collèges et lycées, mais aussi en maternelle et primaire. Près de 11 000 enseignants du premier degré ont déclaré avoir été victimes d'une bousculade intentionnelle, de coups ou de blessures sur une seule année scolaire. Le plus souvent, évidemment, dans les petites classes, ce sont les parents qui contestent violemment. Menace qui se généralise sur l'ensemble du territoire. Deux tiers des établissements secondaires déclarent au moins... Un incident grave et plus de 900 enseignants déclarent avoir été menacés avec une arme sur l'année écoulée. 900, c'est 0,2% des enseignants, mais si on rapporte ce chiffre au nombre de jours ouvrés à l'école, 900 représentent 6 profs agressés par jour. Le rapport insiste sur la terrible solitude vécue par les membres du personnel éducatif face à un quotidien marqué par les tensions et les conflits. Les sénateurs veulent qu'ils soient davantage aidés. Accompagnés, mais aussi mieux formés à des règles et principes qui parfois leur échappent, comme en témoigne la présidence du Conseil des Sages de la laïcité, la sociologue Dominique Schnapper. Il m'est arrivé il y a quelques années, quand j'intervenais euh, à Poitiers, de voir des, des, des cadres importants de l'éducation nationale, très plutôt étonnés par ce qu'on leur racontait sur la laïcité, plutôt intéressés et plutôt d'accord, mais qui avaient l'air de, de le découvrir. C'est une expérience que les autres membres du Conseil qui continuent à faire ce travail font chaque fois. La laïcité, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une discipline. La laïcité, d'abord, c'est une conviction et puis c'est une règle de vie commune. Et, et, et cette laïcité, elle doit être portée par tous. Règle de vie que les parents doivent aussi intégrer. Les sénateurs de la Commission voudraient leur faire signer une charte le jour de la rentrée, une charte des parents avec le rappel noir sur blanc que l'enseignement ne se conteste pas. Aider les enseignants serait aussi, face à la peur des représailles, permettre à l'administration de déposer plainte elle-même en lieu et place de l'agent concerné. Le Premier ministre devrait reprendre dans les prochains jours. Une partie des propositions sénatoriales. On va revenir sur les recommandations de cette commission d'enquête sénatoriale, la charte des parents, plus d'accompagnement et de formation des enseignants, mais d'abord sur le constat. Six professeurs agressés par jour avec une arme. Oui, menacé, euh, menacé. menacés. Menacés euh, avec une arme. Et, et à partir du rapport sénatorial, ce, ce chiffre, 100 000 professeurs seraient menacés chaque année en France, près de 1 sur 8. C'est une profession aujourd'hui qui a peur. Oui, je pense. Je pense que c'est une profession euh, qui a peur. C'est une peur diffuse, hein. ce n'est pas une peur quotidienne, ce n'est pas une peur de tous les instants, évidemment. Et, et, et j'ose espérer que, euh, comme, comme je le vis au quotidien, on vit plutôt heureux en tant que prof. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les enseignants, d'une manière générale, je me permets de, de le penser, ont intégré... Euh, ont intégré la possibilité du risque. Et voilà. aucun établissement n'est épargné. Ça concerne c est, c est ce que dit tout le... le territoire. Oui, c'est ce que dit le rapport. C'est-à-dire que ce qui est frappant, en réalité, si j'ose dire, c'est ce qui est vraiment... Euh vraiment frappant, c'est que ça, ça se diffuse, Patrick Cohen l'a dit, hein, euh, même en, en maternelle. Alors en maternelle, c'est pas, pas les, les enfants qui agressent les, les, les professeurs, enfin j'ose espérer, mais plutôt les parents. Hein, et c'est vrai que là, on a aussi un, un problème. Donc c'est quelque chose qui, comme si les gens, parents ou, ou, ou élèves, se sentaient finalement autorisés avec un sentiment d'impunité, comme s'ils si, euh, n'étaient pas, quelque part, capables de, de penser que leurs actes vont avoir des, des conséquences, comme s'ils étaient dans cette, euh, enfin, voilà, ce qu'on qu appelle la toute-puissance, et puis euh, adviendra ce qui adviendra. C'est quand même très inquiétant. 60% des 18-30 ans considèrent que la laïcité est d'abord instrumentalisée oui. par les politiques et les journalistes pour dénigrer les musulmans pour dénigrer des musulmans. Oui, ça c'est très inquiétant parce que d'abord c'est décontextualiser les choses, c'est-à-dire que la laïcité, vous savez, entre 1905 et 1914, 1905 c'est la loi du 9 décembre, c'est la loi de la laïcité, c'est-à-dire qui sépare les églises et l'État, entre 1905 et 1914, vous avez des affrontements, des, alors pas des affrontements physiques, mais des affrontements euh, intellectuels et philosophiques très violents entre la République et l'Église. Euh, Aristide Briand n'hésite pas à aller enfermer euh, et punir par la loi des curés et même des évêques. Ça, on l'a oublié. Donc qu'aujourd'hui, on dise que la laïcité est dirigée contre les musulmans, euh, j'entends ce que cela signifie, mais c'est juste oublier que le principe de laïcité, aujourd'hui, il est, euh, on va dire, challengé, je ne sais pas comment le dire, challengé par une partie des musulmans. Et donc, logiquement, c'est là que ça vient frotter. Si demain, ce sont les adorateurs. Comme il a pu être challengé avant, avant par, dans les par les catholiques. Si demain, ce sera c'est une autre religion. Ce sera une autre religion. La laïcité, elle existait avant la présence d'une d'une communauté française musulmane importante. Et euh, voilà, donc, elle était là avant. Elle n'a pas été. Créé pour ça. La seule possibilité, c'est de ne renoncer à rien et de nous affirmer. Et quand il y a des contestations de la laïcité, il faut faire trois fois plus de cours. Quand il y a des contestations de la Shoah, il faut faire trois fois plus d'enseignement de la Shoah. Et quand, il y a, euh, quand on ne comprend pas que euh, dans nos États démocratiques, que nous avons mis des siècles à construire et auxquels la barbarie et la terreur nous demandent donc de renoncer, est-ce qu'il faut céder Moi, je ne crois pas. Je ne m'y résous pas. Il n'y aura plus de refuge pour personne, nulle euh, part. Ce qui va encore si plus on de commence, courage aux enseignants si on, pour parler de l'homosexualité, pour et montrer évidemment. des caricatures. Et, et c'est chacun de nous. Hum. Et vous me demandiez euh, euh, quel est le problème. Le problème, c'est que les politiques n'y arriveront pas à, à résoudre tous ces problèmes-là. Nous non sommes plus. tous responsables. Nous, sommes, nous devons tous agir, euh, adhérer à des associations, à des syndicats, à des associations de parents d'élèves, à des syndicats d'enseignants, militer, euh, retrouver euh, cette foi dans l'universalisme, dans la raison, dans la laïcité. Euh, Engagez-vous, euh, mais euh, on, on ne peut pas se défausser uniquement sur les politiques, c'est parler, exprimez-vous. N'ayez pas peur, pour oui. reprendre ce que disait le pape, je n'ai pas l'habitude de citer des papes, euh, c'est à chacun de nous, parce que c'est notre avenir, et c'est l'avenir de vos enfants, et de nos enfants, dont il s'agit. Et si on veut continuer à vivre dans un régime de liberté, et non pas de dogmatisme, où on aura peur de dire, d'exprimer de ce que l'on souhaite, de parler d'égalité, eh ben, il faut se battre. Comment on fait euh, quand une partie de la nouvelle génération, ces euh, Français euh, jeunes, ne sont plus en accord avec cette laïcité à la française c'est toute la difficulté aujourd'hui que nous avons. C'est-à-dire que nous avons cru pendant très longtemps que la laïcité était une évidence. Et on a arrêté finalement de l'expliquer. On a même arrêté de l'expliquer aux profs. Mmh. Euh, moi, je suis rentré dans l'éducation nationale, je j'ose même pas dire quand, tellement c'est. En 1998, jamais... on m'a jamais expliqué ce que c'était que la laïcité. Je me suis formé tout seul. Bon, je suis prof d'histoire géo, donc je me suis intéressé à la question nécessairement. Mais finalement, on a abandonné le terrain en se disant c'est un acquis. Mmh. C'est un acquis. Et en fait, ce n'est pas un acquis. Et on voit bien qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Face à ces, face à ces jeunes, et il m'arrive moi de faire des interventions, évidemment, face à mes élèves, mais aussi dans d'autres établissements, je crois qu'une des stratégies, c'est de montrer comment on vit ailleurs sans la laïcité. Comment on se marie ailleurs, comment on meurt ailleurs, comment on hérite ailleurs. Je pense notamment à l'égalité femmes-hommes, par exemple. Euh, comment voilà, comment euh, tout cela, euh, comment on va à l'école. Euh, quand vous montrez ça aux élèves, eh bien, je vous assure qu'ils ont des réactions... Un peu surpris, en disant mais en fait nous on se rend pas compte, monsieur que ça ailleurs nous protège. ailleurs oui ça nous fait. protège exactement ça nous protège et c'est la, la condition de la paix sociale et une fois que vous avez expliqué ça alors c'est de la pédagogie il faut des documents etc. La condition de la paix sociale fonctionne. mais dans des établissements où il y a beaucoup de, de mixité certains vont vous dire oui mais c'est la liberté de chacun et pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas libres de, de respecter la religion nous ça nous pose pas de problème. Mais ils des arguments qu'on oui. entend. Mais justement. Euh, nous, on explique, enfin, moi j'essaye d'expliquer à mes élèves, euh, justement, que l'école de la République, c'est l'école de la liberté. Pourquoi Quand vous arrivez à l'école, euh, à trois ans, euh, vous venez d'une famille croyante, non croyante, pourquoi vous êtes croyant ou non croyant Vous posez la question aux élèves, ils vous disent, bah, bah c'est mes parents, ah, bah voilà, très bien, c'est tes parents. Eh bien, l'école, elle va te proposer autre chose, et tu vas, toi, te faire ta propre opinion. Tu vas te construire ta capacité à penser par toi-même, et tu vas profiter ou pas de la possibilité de l'émancipation. Et j'ai bien dit ou pas, il n'y a pas d'obligation. L'école de la République ne demande pas l'adhésion, elle propose. C'est une immense liberté. Et à 18 ans, une fois qu'on a fini l'école, on continue à croire, on continue à se, à, à, se, à se couvrir si on veut se couvrir. Il n'y a aucun problème. Simplement, juste le temps de l'école, le temps de construire. La citoyenneté. Le rapport préconise également l'interdiction de signes religieux ostentatoires à toute activité organisée par l'institution scolaire, y compris en dehors du temps d'enseignement. C'est le cas par exemple des sorties ou le fait d'assister à une remise de diplôme. Ça, ça faisait partie des zones grises de la loi de 2004 Non, pas vraiment, en réalité, euh, de, de mon point de vue. Hein, euh... Le temps scolaire, il s'étend à partir du moment où vous avez des activités scolaires en dehors de l'école. Mais je pense que l'idée derrière, c'est de dire que de, si, on, si les sénateurs ont jugé utile, me semble-t-il, de rappeler que oui, le temps scolaire, quand on va à un spectacle, quand on va à une sortie scolaire au musée, etc., euh, c'est toujours du temps scolaire. S'ils si ont besoin de le rappeler, c'est que... C'est voilà, difficile à faire respecter. Ça, voilà, exactement, ça doit être difficile à faire respecter, et, je, et on le voit d'ailleurs, on le sait, euh, par, par, certains, par certains collègues. Et en même temps, euh, si, si, si vous savez que vous avez des élèves compliqués, difficiles, dans certains espaces, ou même ailleurs, euh, et que vous allez à une confrontation, on n'a pas nécessairement envie d'aller à une confrontation. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à multiplier les provocations sur les réseaux sociaux, les menaces de mort, etc., vous... Vous et installez un régime de peur en fait mmh. qui s'installe et ça, de mon point de vue, c'est aussi une stratégie politique. C'est important de rendre hommage aux profs ouais. qui, qui, on le sait et l'actualité dramatique l'a prouvé ouais. à plusieurs reprises, sont les premières victimes de l'obscurantisme bah, C'est les premiers qui souffrent de ça, c'est les professeurs d'histoire, ceux qui sont susceptibles oui. effectivement d'ouvrir euh, notre, euh, notre esprit au monde, de nous rendre curieux des autres et du monde. Évidemment, c'est ceux que les obscurantistes, comme les nazis qui ont brûlé les livres, les autodafés, les obscurantistes, ils veulent détruire ceux qui sont susceptibles de nous faire grandir et de nous émanciper de, nous, de ce qu'on croit être notre condition. Et donc, évidemment, c'est les premiers menacés. Donc, avant, c'était un sacerdoce. Ça devient un sacrifice, de temps en temps, d'être un prof. Donc, il faut leur rendre sans cesse hommage. Et, et moi, j'ai une immense admiration pour ceux qui nous transmettent leur savoir, j'ai envie de dire, malgré leur, malgré, malgré la, leur vie, enfin, au, dé, au dépens de leur vie, parfois, mmh. en ce moment, pour Dominique Bernard, pour Samuel Paty, pour Agnès Lassalle. Voilà. Sur le plateau de C'est à vous se sont succédés Agnès Jaoui, Gadel Mallet, David Aliden, Rico Macias, Serge Lama, Laurent Delahousse, Dave ou encore Christophe de Chavanne, et tous ont évoqué leurs souvenirs. Ça va Oups. On va voir le geste et la parole sur, je sens. Ah, Bonsoir bon bon tout le monde. Salut, Christophe. vous allez bien À quelle heure on vous a fait croire que l'émission démarrait ce soir Arrêtez avec cette histoire, oh, bon, c'est ridicule. Mais c'est vrai que c'est une pathologie quasi. Une pathologie Il y dont a plus on grave, trouve hein. un début d'explication. Touchante dans Sans Transition, une explication génétique. Le retard, c'est de famille. Ça a permis à votre père en retard pour un match de tennis d'être présent pour sortir des flammes votre grand-mère. Clairement. Manu qui aurait pu mourir. Euh, même si c'est touchant, c'est un peu court, jeune homme. Vos retards à vous, ils vous ont coûté vraiment cher. Ils vous ont coupé, coûté des jobs. ah Ils m'ont coûté une, une quotidienne sur RTL à l'époque oui où j'avais un déjeuner avec le patron et où au bout du déjeuner, a priori, il y avait ça. Et je suis arrivé... Euh avec 45 minutes de retard, <laughs> avec, avec un bouquet de fleurs. <laughs> avec lequel je suis reparti parce que le, lui était parti aussi déjà. Et l'émission avec. Et l'émission avec. Je crois que les moins de 55-60 oui. ans ne peuvent pas imaginer le niveau de célébrité qui a été le vôtre denise dans les années 70 et 80. Euh, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes euh, qui, dont la maternité, ah. la naissance des jumelles, soit oui. devenue le sujet de conversation numéro un en France. Peut-être quelques stars, mais j'en je, je, ah. ai ce souvenir-là. Ah. C'était vraiment le sujet numéro un. Il faut dire qu'entre et 92 vous étiez dans le poste quasiment tous les jours euh, à la télévision auprès des Français à la radio aussi dans les années 70 le... à, à Europe 1 où oui. vous faisiez les, les matinées euh, d'Europe 1 et les Français devant leur poste étaient 25 millions à vous regarder quand vous lanciez les, les films du dimanche soir vous, avez fait, euh, vous étiez là le soir des premiers pas sur la lune en, en, en 69 vous avez fait pleurer en annonçant euh, la, la mort, mort de Claude, de Claude François, François 11 mars ouais. 78 la ah, prise ouais. de conscience de votre notoriété elle est venue progressivement vous n'en aviez pas forcément Je Conscience. Oh, non, mais jamais. Je me. Si vous voulez, oui, vous sortez dans la rue, les gens viennent. Mais c'est entouré de tellement d'amitié, de oui. gentillesse, de tendresse et de. Oui. On a l'impression de d'avoir beaucoup de gens qui vous aiment et en... ça fait chaud au cœur. C'est vrai, mais vous ne passiez pas inaperçu nulle part. C'était pas très très facile, mais bon, <laughs> je pense que mes enfants en ont plus euh, souffert euh, que vous. Oui, oui. Mmh. Julien n'a pas un premier oui. journal, mais une première surprise. Ah bon, Lorsque vous découvrez en 2015. Oui que pour l'interview du nouveau ministre grec des Finances, il oui. eh n'y ben, a pas de traduction non. prévue. Voici le document. <laughs> voilà, et on retrouvera Yanis Varoufakis dans quelques minutes, puisqu'on a pour l'instant un problème de traduction. Est-ce que vous entendez ce que je dis, Yanis Varoufakis je pense que je peux répondre à votre question. Okay. Alors, Alors, vous êtes bien débrouillé. Non, parce qu'il y a la suite que je vais vous raconter maintenant. <laughs> en fait, le type n'a rien compris de l'interview. Il faut, il faut se rappeler Yanis Varoufakis, ministre de l'économie, la star, star. la rockstar, rockstar, même. rockstar, au moment de la crise des dettes souveraines en Grèce. Tout le monde attendait sa parole. Il a donné deux interviews, je crois, au Monde et à nous, et c'est moi qui ai euh, à l'époque au journal de 20h et j'avais le plaisir de le recevoir, donc petite pression, petite tension chaque mot, chaque mot qu'il allait prononcer était important pour les marchés et je me rends compte que le type ne comprend rien et donc je me dis, est-ce que je me lance en anglais et puis je, je, je voilà ouais, je, je, peux, mieux, quoi. je peux, je peux, je peux à, peu, à, à peu près le faire et puis on me dit dans l'oreillette, non c'est bon, vas-y en fait il n'a rien compris de l'interview, il n'y avait pas du tout de traduction donc il chopait des mots, Merkel, Banque Centrale Européenne <laughs> Camuloc, François quoi. Hollande non, je... <laughs> voilà et il est parti en... Oh. Tapant euh, mm -hmm. sur le bureau comme j'ai rarement vu, il a pris l'oreillette euh, qui, qui devait lui servir oh. de faire la, la traduction, il me l'a balancée dans la tronche. Il, il a fait un scandale après un Dans en la partant, vôtre Oui, oui, dans, dans la mienne. Ah oui je peux vous dire que j'étais un peu comme ça après l'interview. Ça reste un de mes. Vous avez pris pires souvenirs de de télé. Télé. depuis ou pas Non. non bah. pas. <laughs> il a été remarquable parce ouais. qu'il a répondu à peu près mm. correctement à toutes les, toutes voilà. les questions. Récemment, j'ai fait une interview du président arménien. Oui, bah oui, arménien. Sans, <laughs> sans traduction non plus. Sans, enfin, la traduction non. Je lui a posteriori en fait. Et donc ça. Je posais une question, j'attendais que ça passe et puis je recommençais. C'est vrai que c'est des ah, moments oui, un petit oui. peu de solitude. Ah, oui. L'arménien, vraiment, il y a. Je crois que ça nous est arrivé ah. en direct, hein, c'est à vous, non Non, non ouais. bon, <laughs> <laughs> J'ai eu, eu un traducteur qui m'a dit dès le départ que mon interlocuteur était sous et ivre. <laughs> C'était qui <laughs> Mikhail Gor Gorbatchev. Ah. Ah, oui. J'étais tellement heureux de le recevoir. C'est-à-dire que eh bien, je suis de la génération de la chute du mur ah, et, oui. et j'ai vécu ça et c'est aussi ça qui vous pousse à devenir journaliste et je me réjouissais de le recevoir. Mais quand il est arrivé. Le traducteur russe m'a dit « Monsieur de Delahousse, Monsieur Gorbatchev est, est ivre. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. » Donc là, quand vous savez qu'il était à des 10 secondes de l'interview, c'est quand même très rassurant. <laughs> ça, a été, ça a été chaotique. A ça a dû vous arriver souvent ici, quand même. D'abord, c'est un peu tout. Ça vous bah, oui, ah, aide à plus à vous qu'Amouane, Sophie. Et ah, bon, oui, pourquoi il boit Maintenant, on serre la vis. <laughs> ce, que, ce, qui est, ce qui est compliqué, plus plus sérieusement, et, et c'est là où on voit le talent des intervieweurs. C'est un journal de 20 heures. C'est je l'ai fait en remplaçant, une, en remplaçant une, une époque. On a 6 on a minutes pour créer un truc. Mm. Voilà. Bon, euh, 6, 7, 8 minutes, ça dépend ouais. des invités et le temps qu'on qu leur accorde, mais c'est très court. Et il faut que dans ce temps-là, on arrive à faire ressortir le meilleur de l'invité. Alors que nous, on a eu 50 minutes, il n'en est rien. <laughs> Professionnellement, il y a deux choses dont vous êtes ultra fiers. D'avoir obtenu, il y en a une surtout, d'avoir obtenu au, au terme de 30 ans d'engagement euh, la gratuité des capotes pour les mineurs et jusqu'à 26 ans. Oui. Et le site d'action Alors donc dans le voyez, désordre oui, mais, euh, mais, pour mais, aller mais Je vous suis, que non, non, je dis ça, c'est pas pour vous... Non, non, c'est... Alors, vous, je, je, oui, alors oui. Je, ça a commencé par le site d'action. ça a commencé d'abord par Sortez Couvert, ça, par la première émission en France qui a été faite sur le sang contaminé, on s'est fait défoncer par tous les journalistes qui disaient que nous n'étions pas journalistes, et on s'est vraiment intéressé à ça, on a fait une très très belle émission. Ensuite, j'ai lancé l'opération Sortez Couvert, on voit avec cette bande-là, il y a euh, euh, Association Croix-Verte et Ruban Rouge, Monsieur Lamarche, ensuite il y a Pisa, mon copain, et Bertrand, son associé. Euh, moi, on a fabriqué 80 millions de capotes en 25 ans sans demander une thune à qui que ce soit. Euh, on a distribué 2000, on a posé 2500 distributeurs de capotes dans les lycées, les universités, les crous, etc. D'ailleurs, j'appelle les infirmières quand les boîtes sont vides. S'il vous plaît, appelez-nous, on les remplit les distributeurs. Sauf que maintenant, c'est gratuit. Il suffit d'aller dans une pharmacie, de dire « Sortez couverts », d'avoir moins de 26 ans et euh, d'avoir une boîte de une capotes gratuite. Et le site d'action, c'est parce que vous avez vu des hommes qui venaient vous dire. Merci, si on est vivant, c'est en partie grâce à vous. Parce ça, ça que, que j'ai dit beaucoup sortez couvert, parce oui. que j'ai fait la capote à un franc, et parce que j'ai été à l'initiative du site Action, où je suis allé voir tous les patrons de chaîne, en leur disant il faut que toutes les chaînes s'unissent pour que les gens, en changeant de chaîne, à n'importe quelle heure, voyant le même programme, se disent ah, il y a un truc. Ils m'ont dit non, parce que c'était vraiment la guerre Canal, Le Lait, Moujotte, Taverneau, la 6, la 2, etc. <laughs> et puis finalement, Pierre Berger. Et les non s'en sont mêlés, donc ça s'est fait. Et ils ont eu la gentillesse de me confier la présentation de cette émission. Et à 6 h du matin, dans ma bagnole, en allant à la campagne, je me rappelle très bien, j'étais dans ma caisse, j'avais la musique à fond, je dis putain, on l'a fait quoi. Et c'était, le site action, voilà, a été créé comme ça. Vous vous souvenez de la date de votre premier JT sur France 2, Laurent C'était en 2006. Mais la date exacte, je ne sais plus, non ben moi, je la connais pas non plus, mais on ouais. a des images. Ouais. <rire> 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 Regardons. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À Marseille, la jeune passagère grièvement blessée dans l'incident criminel d'un bus est donc toujours ce soir dans un état critique. Les médecins refusent tout pronostic. Et cela 48 heures après le drame. C'était hier. <laughs> on vient de le voir. Euh, C'était une apnée quand même, hein, le, ah oui. le truc. Oui, oui, ouais. Sacrée journée quand même. Ouais, c'est très particulier. C'est euh, de le regard des autres. Il y a ceux qui vous regardent et dans leur regard, on sent que ils sont en confiance, mais ils se demandent si je vais réussir. <laughs> Il y a ceux qui vous regardent en disant, pauvre mec. <laughs> on sent qu'il y a quelque ouais. chose, quoi. Et c'est une journée très particulière. Et j'étais vraiment en apnée et je pensais. Beaucoup à mes parents. Beaucoup parce que je pense que leur rythme cardiaque devait être deux <laughs> à trois fois supérieur au mien. Ah ouais. Ouais, ça devait être terrible pour eux. Moi, je, je me souviens que, que tu m'as donné un, un chouette conseil le jour de mon premier journal. Tu m'as dit Prends du plaisir. Je me suis dit Putain, il est sympa le mec, mais prends du plaisir. J'étais comme ça. <laughs> il est où <laughs> le plaisir le premier jour C'est vachement dur. Moi, je reconnais que j'ai pris quand même un peu de plaisir. Dès le premier jour ouais. Il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'avais vraiment envie de ça quand même. Il ne faut pas se mentir. Et que cette musique, mmh. ce plateau, cette apnée, c'est génial d'avoir cette tension. C'est génial d'aller au bout d'un truc qui est n'étais pas du tout fait pour ça, pas du, fait pour... Porteur, pas, pas du tout fait pour parler en public et voilà vous pas... des... avez des potes qui prennent la parole dans les mariages j'ai aucun problème. Moi me retrouver assis devant 5, 6 millions de personnes pour aller dire bonsoir et, et, et présenter les journaux, c'était quelque chose de voilà non, c'est vrai que c'était une apnée totale. Et puis, il y a eu une, une dose de plaisir, comme dit Julien, et, et une vraie pensée pour mes parents, parce que je pense qu'ils étaient à la fois fiers et tellement inquiets, tels que je les connais, la pudeur qu'ils ont. Je pense que, voilà. En tout cas, je pense qu'ils étaient heureux que j'ai été au bout du truc. Est-ce que votre amour secret pour euh, Sophie Marceau, ça fait partie du, du syndrome du d'âge Je rappelle le contexte. En 2012, vous tournez avec elle euh, une comédie romantique. On la voit ici, un bonheur n'arrive jamais seul. Et pendant la, la promotion du, du film, pendant la promo, vous avez du mal à cacher votre émotion d'être à ses côtés, de répondre au, au même titre qu'elle aux questions qui vous sont posées. Là, on va voir un extrait sur le, le plateau d'Élise Lucet au 13h. Est-ce que vous aviez déjà très envie de jouer ensemble Moi, j'avais envie de travailler avec Sophie. Euh, je pense que ce qu'on appelle un casting de rêve, bon, voilà, c'est les gens quand ils le voient, tu ne penses pas à ça quand tu le tournes, même si je suis. Je suis heureux et voilà, c'est un casting de rêve d'avoir Sophie dans un film face à toi quand tu joues une comédie romantique. Mais je pense pas à ça. Je pense que ça se passe ailleurs, ça se passe dans ce qu'on essayait de créer comme contact au début du film, comme connexion. Et c'est vrai que sur l'humour, par exemple, elle m'a énormément surpris, mmh. euh, Sophie. Et on a été sur ce terrain-là et puis on a construit ensemble le film. Mais on pense pas au casting vraiment pendant qu'on fait le film. La vérité, mais c'est enfin, pas vrai tout ça. Celle que vous racontez ah oui. aujourd'hui, c'est que vous étiez amoureux. Non, en fait, moi, je non. Oui, alors. A... Regardez-moi dans les yeux. Non, en fait, ça, ça me touche parce que, alors, enfant, j'ai vu euh, bien sûr la boum comme tout le monde. Euh, elle va pas être très contente qu'on rappelle que ça et qu'on la voit qu'à travers ça, mais voilà. Et j'étais fou de Sophie Marceau quand j'étais gamin. C'était mon amoureuse, quoi. Quand 30 ans plus tard, on me propose de faire un film avec elle... J'ai je, je, je fait cette blague au producteur, je lui ai dit écoute, je ne sais pas elle où elle en est de notre histoire, <rire> <rire> mais moi, je suis à fond. Mais j'étais très séduit, bien sûr. C'est une, une icône, c'est une femme exceptionnelle, c'est une grande actrice. Mais le syndrome du blé d'art, là où il intervient, c'est qu'on pourrait se dire qu'après beaucoup de films que j'ai faits, euh, avoir de la notoriété, un statut, on pourrait dire voilà, il est juste pro. mais J'étais tout, euh, tout ému de tourner avec elle. Et oui, euh, moi, j'ai craqué en fait. J'ai craqué complet. Mais elle, pas du tout. Elle, elle était en train de faire son boulot. Donc il y avait deux films qui se tournaient. Il y avait le film pour la prod et le film que moi j'avais dans ma tête. Oui. Mais là où le cinéma est complètement le, fou, Pierre, le, ça va vous le, parler. Le film où vous lui disiez je t'aime, mais c'était vrai et le film où elle vous disait je t'aime, mais c'était pas vrai. Oui, mais elle. elle alors c'est ça qui est fou, parce qu'il y avait des répliques euh, dans le film où moi je lui disais je t'aime oui. et bah, c'était vrai. Oui. Et James Hut, euh, le réalisateur, oui. me faisait refaire. Et ah, moi, je me disais, non, tu ne peux pas refaire parce que moi, franchement, je l'aime. Là, je suis en train de l'aimer. Et elle, qui était juste en train de bosser, qui m'aimait bien en pote, mais qui n'était pas amoureuse de moi et qui avait sa vie, un mari des enfants, me disait, je t'aime, je génial, Sophie, c'est super. Et je disais, non, elle, elle joue là. Alors, on plaisantait avec ça, mais quelque part, ça m'a beaucoup appris et je suis très, très ému de l'avoir voilà, de, 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 de connue. Et je raconte ça dans le, dans le spectacle et il y a des gags autour de ça, oui. En, oui. entre autres. C'était une époque pas facile où vous n'obteniez pas toujours les rôles que vous vouliez obtenir et euh, notamment votre agence bougeait pas beaucoup. Un jour, vous l'entendez proposer une édition à une autre actrice que vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait, du coup Vous nous racontez Oh, fort, trop fort, ce souvenir-là. Oui, qui raconte une détermination qui m'étonne encore maintenant. Oui, oui, elle disait toujours que je je savais rien. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il y avait deux téléphones chez elle. Si elle m'entend, si elle m'entend raconter cette histoire. Non, mais il y avait deux Et elle me dit, non, il n'y a rien, chérie, il n'y a rien. Attends une seconde, le téléphone sonne et elle donne un rendez-vous à la comédie des Champs-Élysées à 14h pour une audition et je j'écoute et elle me reprend elle va voir non mais il y a rien il n'y a rien Nicole il n'y a rien. rappel dans une semaine voilà et je suis allé à 14h à la comédie des Champs-Élysées <laughs> on me dit venez pour l'audition je dis oui mm. ah prenez le et voilà c'est comme ça que j'ai vous avez des de rôle. Pièce, hôtel Racine oui Ben bah, voilà ah, <laughs> bah, bravo 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 il y avait quand même une sacrée mm. saveur ce, ce César d'honneur, parce que d'habitude trop souvent on donne un César d'honneur parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de César pendant la carrière. Vous, vous Alors, êtes déjà celle qui a eu le plus de César. Et on vous donne quand même en plus un César d'honneur. Je continue à parler pendant que vous finissez. Non, Les gourmands. <laughs> du euh, bout de la table. Mais ça avait, ça avait quand même une sacrée saveur par rapport à toute cette euh, académie euh, qu avait, qu avait désiré vous honorer. Oui parce que j'ai vraiment eu l'impression que, que c'était de la gentillesse de leur part. Mais ben voilà. Et c'est pas pas toujours le cas que le métier est gentil. Enfin je veux dire, j'aime beaucoup, je ne trouve pas ce métier, ce milieu pire qu'un autre du tout, loin de là. Parce que c'est quand même beaucoup de gens passionnés, mais que soient vraiment gentils dans ce genre de, de cérémonie là, non c'est pas pas voilà Et donc vraiment je, je j'ai l'impression qu'ils me disaient euh, on vous aimait et, et on, on, on t'aime bien encore. Euh, <laughs> Tiens bon, alors ça m'a fait quelque chose. La crise, cette nomination au César, mais un, une seule récompense, celle du meilleur scénario. Euh, vous êtes déçu à l'époque, vous passez un coup de gueule avec la verve qu'on vous connaît. Ça leur arrachait la gueule de reconnaître le pouvoir de création totale d'une femme. Ça leur arrachait vraiment la gueule. C'est possible. Maintenant <laughs> je suis beaucoup plus calme sur tout ça. <laughs> Non, mais de toute façon, il y a eu, vous savez, ce qui compte, les, les récompenses, c'est bien, il faut les accepter avec reconnaissance et gratitude, mais ce qui compte, c'est le public, quoi. Maintenant, c'est devenu viral, c'est devenu euh, quelque chose que, qui, qui, qui m'échappe totalement, qui, qui est devenu euh, ce que les gens ont pris pour eux parce qu'ils en ont besoin, parce que, parce que ça les aide. Et au fond, c'est pour ça qu'on le fait. Et même, moi, des fois... Moi, j'ai entendu une fois là, là, une, une tirade de la Belle Verte dans un car en Italie, en italien. Je lui dis « Mais écoute je connais ce truc, là ?» Et quand il dit « Tu leur as dit merci aux vaches en italien ah, », je dis « C'est moi qui ai écrit ça, mais, mais je n'avais pas reconnu sur le moment ». Et ça, c'est un truc, je m'en fiche des droits d'auteur, c'est tellement beau, quoi. Vous arrivez en Italie et les gars, ils vous passent ça en rire et chansons. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, c'est ce qu'on ce qu peut rêver de mieux, quoi. nous les créateurs. Oui, mais Agnès, vous avez tous les deux fait du théâtre, commencé au théâtre. J'ai lu, vous, William, que vous avez une obsession pour celui qui est peut-être le comédien du siècle, euh, Michel Bouquet. Si je rembobine un peu, quand vous avez euh, 18 ans, vous commencez euh, le théâtre justement, et vous dites que vous arrivez avec euh, toutes vos mimiques, vos grimaces, vous faites un peu ramasser <laughs> et vous avez l'impression d'être nul. Et c'est en écoutant justement michel bouquet qui parle du métier qui parle de ça que ça vous sauve bah ouais ouais parce qu'en fait j'ai compris à ce moment là qu'il il fallait travailler en fait <laughs> ah, Je... jusque, -là, que ah bah oui, euh, jusque -là, là tout le monde me disait ouais c'est génial et tout machin tu es trop marrant vas-y fonce et en fait oui effectivement là en et en écoutant j'ai compris que ça pouvait être très réconfortant de justement de travailler puis de fin de il y a, et il y a cette phrase que vous avez retenue, c'est « n'essayez pas d'être original ». Oui, bien sûr. Ouais, J'adore cette phrase. C'est « n'essayez pas d'être original, vous l'êtes d'emblée ». Et il dit ça à ses élèves, c'est le premier jour au conservatoire. Et je trouve que c'est un super message. Quoi. On revient oui. sur vos débuts. Vous avez 24 ans. Vous venez oui. de sortir votre premier album, oui. « Hôtel de l'univers oui. ». Vous êtes en première partie de Vanessa Paradis. Oui. Après, vous allez écumer, vous parliez de punk rock, vous allez écumer les clubs avec... Euh, Frank Blake des ouais, Pixies. Ouais. Ah, c'était chouette. Et puis il va se passer un truc de dingue en 2002. Mm. Vous êtes à l'Olympia, vous faites la première partie d'un type assez connu. Vous lui racontez comment vous vous êtes retrouvé en première oui, partie. <laughs> oui, c'était très... vous n'étiez pas encore le Raphaël non, de Caravan. C'était vraiment un coup de bol quoi. La veille du concert, euh, je savais même pas qui jouait le lendemain à l'Olympia et je... moi j'étais un fan de Bowie vraiment de la première heure, c'était comment quelqu'un qui m'a qui a changé ma vie quoi quand j'avais 8 ans, il m'a donné envie de faire de la musique, il m'a donné envie de Enfin, il a, il a changé mon destin et puis même dans des périodes aujourd'hui, je, je suis assez âgé et quand j'ai des périodes de troubles ou je sais pas quoi, je vais mettre une chanson de Young Americans, de je sais pas quoi de Bowie et puis je reconnecte avec l'enfant que j'étais et avec cette joie et avec un, la raison pour laquelle je fais de la musique. Enfin, tout ce que j'aime dans la musique et, et toute cette liberté est dans, dans, dans ce type-là. Qu'est-ce qu qu'il y a dans votre Walkman Regardez cette photo de vous et votre père. Euh, ah. vous êtes à Rome ah ouais, 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 euh, qu'est-ce ouais, qu'il y il ouais, ouais, y a David Bowie alors c'était pas <laughs> sa meilleure période c'était le Glass Spider Tour dingue. en 87 en 87 <laughs> oui c'est très décrié cet album mais moi je, je l'adore quand même quoi parce que c'est un, un tel chanteur et les ouais. compositions sont tellement belles que même quand c'est pas bien c'est formidable quoi ouais, ouais. avec euh, Résilience Camille et, et parfois avec une pointe d'humour dans le livre vous évoquez aussi les, les douleurs les, les difficultés des galères endurées <laughs> avant de percer votre, votre échec au casting de la nouvelle star <laughs> ouais. avec un petit joli bouton de fièvre ça arrive à tout le monde tout sur monde. la lèvre ouais. par exemple et puis 2013 c'est la, la délivrance vous atteignez les demi-finales euh, du télécrocher à The Voice où vous venez de faire un retour triomphal c'était le 10 dernier vous avez accompagné certains candidats repêchés euh, l'objectif c'était aussi d'éviter <laughs> qu'on n'a pas le succès comme ça il non. faut aussi faire preuve de il faut connaître l'échec avant de connaître le succès moi je pense que déjà il n'y a pas de succès sans échec euh, je pense que euh, pour euh, avoir la notion déjà du, du, de, du, du plaisir et de l'accomplissement, il faut avoir des noms et des échecs. Mais tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu. Parce que où est le plaisir de réussir et de gagner quelque chose si avant ça, tu n'as pas souffert un petit peu et tu n'as pas vécu des expériences un peu... Euh euh, voilà, euh, triste ou net, quoi, si je puis dire. Il y a eu un tournant euh, dans le regard que posait votre père sur votre carrière. C'est quand vous avez réalisé l'album 100%. On est en 1999, ouais. le plus gros succès de sa carrière. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Un succès commercial, la reconnaissance des professionnels qui ont considéré cet album comme l'un des albums majeurs de Johnny. Mais au-delà de ça, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Et ça n'a pas de prix. Ça ne peut pas se compter en disques vendus. C'est les semaines passées à ses côtés. <coughs> Oui c'est sûr parce que j'habitais encore aux états unis puis j'étais encore dans mon groupe américain en fait. Et, et donc j'avais perdu un petit peu le contact avec la musique française parce que je n'étais pas revenu en France depuis de, 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 ça faisait quoi 7-8 ans. Donc quand il m'a proposé de, de bosser avec lui, bon, j'étais surpris euh, d'une part. Et puis j'étais... Euh, voilà, j'avais envie de dire oui tout de suite. Puis je me suis dit un petit peu ma, ma, ma petite voix intérieure dit mais... mais, 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 mais moi j'étais un peu un peu paniqué quand même. Et donc je lui ai, On s'est appelé, puis je lui ai dit, mais mais pourquoi... Enfin... À part le fait de bosser ensemble et ça peut être super sympa et ça peut être génial. Pourquoi moi Il y a plein de, de, de très bons compositeurs euh, fantastiques à, à, en France. Ah oui. euh, et il m'a dit, parce qu'il avait, avait le talent d'économiser beaucoup de paroles quand il voulait quelque chose, et puis euh, il m'a dit euh, parce que j'ai envie. Alors je fais « Bon, ok, d'accord, alors je vais réfléchir ». Euh, et donc le, le, le truc, c'était pas simplement lui. lui donc j'ai accepté parce que je trouvais que c'était formidable. On se voyait pas souvent et c'était le, le bon moment pour, pour nous de se voir à travers mais ce qui nous liait le plus, quelque part, la musique. Donc je me suis dit euh, « Voilà, j'ai entrepris cette, cette tâche euh, ». Et, euh, et je lui ai dit « Bah écoute... » Voilà, il faut que je trouve un fil rouge, une idée générale, parce que c'est pas simplement de composer des chansons, euh, des chansons que, que, tu, que tu aimerais, c'est raconter une histoire en fait. Et euh, j'ai commencé à puiser dans son répertoire, mais, mais, mais lointain, c'est euh, j'ai commencé à réécouter des chansons comme L'Idole des Jeunes, et ses euh, premiers tubes. Euh, j'ai composé suite à ça une chanson qui s'appelle Un jour viendra, qui est dans, le, dans, le, dans, dans cet album-là. Et puis j'ai enchaîné, puis j'ai enchaîné, dit il faut quand même des chansons de stade un petit peu... Euh, Orchestral comme ça, euh, un petit peu du genre que je t'aime, euh, je, je le voyais bien, donc j'ai composé euh, Vie pour le meilleur. Enfin bon, et, et puis les choses se sont succédées comme ça. Et finalement, j'ai toujours pensé que c'était l'album, le, le, ça a été l'album le, le plus facile euh, pour moi de à composer, euh, à composer euh, parce que j'avais déjà une ligne directive. Donc euh, sur la assez, ouais. Ouais. Et puis on a passé des moments euh, extraordinaires. Outre le succès commercial de cet album, qui euh, j'en suis très fier, il y a tous ces moments là euh, qu'on a passé euh, entre nous qui ont été euh, extraordinaires. Je crois que ce premier Olympia ne s'est pas passé comme, comme prévu. Ce sont euh, les chaussures de Bruno Cocatrix qui en ont fait les frais. oui, <laughs> Mais oui parce que j'avais tellement peur. Et toute l'après-midi, il y avait eu un tournage d'émission pour montrer les premières fois de, Et entre autres, c'était la première fois d'un artiste qui faisait l'Olympia. Donc... J'avais jamais pu me lâcher, me décontracter pendant toutes les répétitions. Et le, euh, le soir, donc Bruno vient me chercher dans la loge pour m'accompagner pour euh, rentrer sur scène. J'avais tous les musiciens et tout ça. J'étais mémoire de trouille et, et, et donc j'étais côté court. Il était sur ma gauche. Et là, j'entends euh, tout l'orchestre qui se met en route. Et à ce moment-là. Ah oh, pardon, on est à table. <laughs> je mis sur les pieds de Bruno Cocatrix. Oh, Mais il a eu cette dev... réflexion géniale Bruno Cocatrix. Oui, il a dit ne vous excusez pas, Brel l'a fait avant vous. Ah bon, alors, étape importante de votre début de carrière, le premier Olympia en 77 avec vos, votre nom les quatre lettres Dev en grand. Et en rouge sur le boulevard des Capucines, ça ne s'oublie pas, avec des très bons choix, parce que vous aviez euh, Jen Manson en vedette américaine, les Martin Circus ensuite, ah oui, vrai. Je me casse à Palavas, ouais. et euh, Francis Cabrel en première partie, ouais. qui venait de sortir Les Murs de Poussière, ouais. qui n'avait pas encore marché, et qui était assez De haïdement. la même maison. Parce qu'il avait évidemment commencé à marcher avec Shlame à Mourir. Et, et, et là, il était quand même. Et, et lève, il avait la tête quand il a vendu 400 000 disques. Ça, ça, oui. Tu changes quand même. Mais, mais je l'aime beaucoup. Puis, c'est toujours cette première Olympia avec Dave. Donc, ça me plaît bien. C'est vrai. Pas pur narcissisme, ça, me convient. ça Évidemment. me convient. Et ce qui est fou, vous le faites remarquer, c'est que votre voix euh, n'a pas bougé. Ben, c -dire Quand que... on vous écoute. Euh, avec prétentieux, ça a l'air prétentieux, mais je vais me je laisser peut-être faire. Mais parce qu'en fait, tout ça est dans l'ADN. Donc, il y a des gens qui perdent les cheveux, excuse-moi de te regarder, et il y en a qui perdent leur voix, ils n'y sont pour rien. C'est programmé. Et moi, ça a été programmé, cette membrane, hein, c'est pas un muscle, parce que le muscle, il y en a qui déconnent, cette membrane man 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 marche, quoi. Et un entendent... de naissance, quoi. C'est génétique. Oui, je pense. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Peu, Peut-être un peu moins de falsettes ou de faussettes, des mixtes, des voix de femmes, est un petit peu moins évident, mais je m'en sers quand même toujours. Je demandais à Johnny pourquoi il chantait plus une chanson entre mes mains. Ah, oh, entre mes mains Et je disais, j'y arrive plus. Je trouvais ça tellement mignon. Oui. Parce que c'est vrai que c'est le premier truc qui disparaît. Oui. Sinon, le reste, ça va, je dis ça, à la le... camarade. Une heure, une heure et demie sans problème, je me souviens des textes et je me souviens de tout. Vous avez peut-être <laughs> fait, si peut fait moins d'abus que, que Johnny pour votre voix, non C'est vrai. Bon. Si on met bout à bout tous les concerts que vous avez donnés au Palais des Congrès, vous y avez passé huit mois, c'est ça au total <laughs> Même 9. Même neuf. Ouais. Au total 9. Parce que j'ai fait des Palais des Congrès en plus. J'ai fait trois fois trois mois, et, et ensuite j'ai fait aussi des Palais des Congrès quatre euh, jours, cinq jours. Alors donc, ça fait beaucoup hein, de palais des congrès. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le palais des congrès à l'époque, c'était une salle, pour aujourd'hui ça paraît, mais à l'époque, c'était la salle, là, une salle immense. Oui. C'est ça, il faut se, re, se remettre dans cet esprit-là, que personne ne voulait faire, d'abord c'était insonorisable, voilà. Alors donc, c'était la salle la, la plus difficile du monde. Oui. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et ça a été, je crois, le grand moment de ma, de ma vie, de ma carrière. J'en ai eu d'autres. J'ai eu le, grand... le symphonique. Eu... Et Napoléon aussi, cette comédie Napoléon, musicale. Ouais. Marini, qui aurait pu ne jamais s'arrêter. Voilà. Vous imaginiez là, quand vous chantiez pour la première fois, en première partie des Compagnons de la chanson à l'Olympia, que vous, vous fêteriez 60 ans de carrière euh... Bon, avec nous, ça, vous ne pouviez pas l'imaginer. Euh... <laughs> <laughs> Mais et un tel succès, une telle longévité Pour moi le fait d'avoir euh, vécu pendant 60 ans après mes débuts, c'est un grand privilège d'être arrivé à cet âge-là. C'est une grande chance. Merci mon Dieu. Merci le public aussi. D'autres moments à revivre avec nos invités Denise Fabre, Nagui, Cyril Ferraud, Jean-Pierre Foucault, Laurent Rouquier. Ils nous embarquent dans les coulisses de la télévision. A tout de suite, je vous attends. Moi, je reste bloqué dans les coulisses.